Hey, salut! Alors aujourd'hui, on va se balader un petit peu en Italie. On va faire des raviolis au bœuf et des raviolis ricotta, épinards et cèpes. On y va? On y va, Diego? Alors, pour les ingrédients, il va nous falloir de l'huile d'olive, de la farine, des œufs, de la sauce tomate, du basilic, des échalotes, du sucre, de l'ail, des oignons, des épinards, des cèpes, du fromage de chèvre ou de la ricotta, du persil, de la crème, du parmesan, du sel, du poivre et des herbes de Provence, encore du parmesan, une tomate, de la mie de pain et de la viande hachée. Alors pour la recette de la pâte, j'ai mis la farine, je vais rajouter du sel dedans, voilà. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et les œufs. Alors j'ai pris 6 œufs parce qu'en fait c'est des petits œufs, je me suis trompé en les achetant. Sinon il faut prendre 4 œufs moyens. Voilà. Et ensuite on va remuer, malaxer tout pour former une belle pâte. Voilà, j'ai une belle boule de pâte. Alors, j'ai rajouté un petit peu de farine parce qu'il n'y en avait pas assez. En fait, la consistance de la pâte, voilà, il faut qu'elle soit comme ça. Hein, voilà, et ensuite, si on a un robot, on la pétrit au robot avec un crochet pendant 10 minutes. Si on n'en a pas, eh ben, on la pétrit à la main, comme ça, pendant 8 à 10 minutes. Ça fait les muscles. Alors, au bout de 8 à 10 minutes, notre pâte est prête. On a une belle boule. Alors, quand on appuie dessus, ça remonte. On a fait ressortir le gluten de la farine. Et du coup, on veut une pâte élastique, ok? La pâte terminée, je vais mettre du film dessus et je vais la laisser reposer au frigo pendant une heure. Dans la sauteuse, j'ai mis une grosse cuillère à soupe d'échalotes, une grosse cuillère à soupe d'oignons. Et là, je vais mettre mon bœuf, voilà, que je vais faire cuire, bien l'égrainer. Une fois que ma viande et bien détaché, ensuite je vais rajouter la moitié des tomates, la moitié de la tomate, 25 g de parmesan, donc la moitié, et le pain de mie. Je vais rajouter du sel. Un peu de poivre. Et des herbes de Provence. Et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Alors, je vais rajouter un petit peu d'ail. Voilà. Donc la farce est bien compacte, voilà. Donc je vais le débarrasser dans un plat et je vais la laisser refroidir. Ensuite, pour les raviolis cèpes, épinards, ricotta, j'ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive une échalote, une grosse cuillère à soupe d'échalote. Ensuite, je vais ajouter mes cèpes. Voilà. Et mes épinards, alors j'ai pris des épinards hachés congelés, hein. Je ne me suis pas embêté. Le persil. Bien sûr, du sel et du poivre. Voilà. Et de l'ail. Voilà, et on va faire revenir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Alors une fois que ma farce est bien desséchée, je vais rajouter la ricotta.
ou le fromage de chèvre. Hein. Ben, moi, j'ai pris le fromage de chèvre. Voilà. Je vais bien le mélanger et je vais laisser refroidir. Alors ensuite, dans ma casserole Christelle, allez, je la place un petit coup, celle-là. J'ai fait revenir le reste de mon échalote, de mon oignon, dans l'huile d'olive. Je vais verser la tomate. Le sucre. Donc, deux petites cuillères à café, ça suffira largement. Du sel. Poivre. Les herbes de Provence. Et je vais laisser cuire comme ça à feu très doux pendant environ 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je mettrai de l'ail et le basilic. Ok ? Alors, dans une autre casserole, j'ai fait bouillir la crème. Voilà, dès qu'elle bout, je rajoute le parmesan. Donc, 4 bonnes cuillères à soupe. Un petit peu d'ail. Voilà. Ensuite, je vais bien remuer. Et je vais passer au mixeur. Ok, je remue à peu près pendant 2 minutes. Et ensuite, je la passe au mixeur. Une fois que ma pâte a reposé pendant 1 heure, j'ai divisé ma pâte en 3 boules et je vais faire des boudins. Voilà. Comme ça. Jusqu'à avoir des boudins environ de cette épaisseur. D'accord ? Voilà, comme ça. Alors, une fois que j'ai ces boudins de cette taille-là, j'ai mis de la farine sur la table et je vais étaler la pâte pour obtenir ça. Voilà, une pâte très fine, on voit un peu à travers, voilà, mais très très fine, ok ? Alors ensuite, à l'aide d'une règle propre, on va mesurer des bandes de 10 cm. Voilà. Et on va former ça. Ok ? Alors ensuite, avec une cuillère à café, on va déposer des petites boules de viande pour les raviolis au bœuf. Voilà, comme ça. Avec une cuillère à café. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, on va mouiller les rebords. Comme ça. Les deux côtés. Et entre chaque. Ok ? Ensuite, on rabat la pâte sur les tas de viande. Voilà, comme ça. Et on vient souder avec les doigts en chassant l'air et collant bien les pâtes pour que les raviolis ne se dépassent pas à la cuisson. Ok ? Ensuite, à l'aide d'un couteau, on vient couper entre les deux, comme ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est l'avant-dernière, donc on fait une recette sympa. Donc, la même chose avec les raviolis chèvre frais ou ricotta, épinards et cèpes. Voilà, on rabat. On colle bien. Et on chasse l'air. Et une fois que l'air est bien chassé, on coupe au couteau. Alors à la fin, si vous restez un petit peu de pâte, vous faites comme moi, vous l'étalez bien et ensuite vous taillez des petites bandes
faire des nouilles. Vous les cuisez 4 minutes à l'eau chaude, salée. Et ce sera nickel. Ok ? Voilà les autres raviolis. Chèvre frais, épinards, cèpe. Il y en a à peu près 28. On est gâtés, hein ? Alors, j'ai fait bouillir de l'eau avec du sel. Une fois que l'eau est frémissante, je vais mettre mes raviolis. Donc là, c'est au bœuf. Voilà. Et je vais le faire cuire comme ça pendant 5 minutes. Voilà. Alors, au bout de 5 minutes, mes pâtes sont presque cuites. Dans une autre casserole, j'ai mis du beurre à fondre. Je vais basculer mes raviolis de bœuf dans la casserole avec le beurre chaud. Voilà. Et du coup, avec mon écumoire, j'ai mis un petit peu d'eau des pâtes. Et du coup, ça va faire bien. Ça va faire bien nacrer mes pâtes. Elles vont être jolies, toutes belles. Ok ? On va faire la même chose avec les raviolis aux épinards. Ricotta ou chèvre frais et cèpe, ok. Alors voilà mes beaux raviolis. Alors ils sont pas ronds, nickel, bien dentelés comme dans certains gastro, ok. Mais moi je voulais gaspiller le moins de pâtes. Hein voilà. Alors voilà les raviolis de bœuf avec la sauce tomate. Ça te plaît, Diego? Ouais? T'en veux un peu? Ok, ça roule. Et voilà la deuxième recette, donc les raviolis chèvre frais, épinards et cèpe. Bon, et bien j'espère que l'atelier vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que vous serez nombreux mardi à 11h30, on se fait un live, ce sera la dernière recette avant les vacances, j'espère que vous serez là, merci beaucoup, à très bientôt, je vous embrasse. S'en aller tous les deux dans le ciel de l'Italie et voir la viande. C'est parti, Diego, arrête de faire la tête, tu me regardes. Diego.